Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je viens pour faire une vidéo haul. En ce moment j'ai fait plein d'achats que j'avais envie de vous montrer. Du coup voilà, si cette vidéo vous plaît, bah moi je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc premièrement on va commencer par ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, je l'ai acheté chez Pinky et c'est un jean. Donc vous verrez pas, je vais vous introduire des close-up. C'est un jean genre comme ça, gris. Je sais pas s'ils disent que c'est un skinny, mais je trouve pas qu'il est super skinny. Il est pas mom, il est pas skinny, il est un peu entre les deux. Et du coup bah je trouve ça grave beau, il est gris un peu. Et celui-là il m'a coûté 20€, il était pas en solde. Du coup voilà, c'est tout pour Pinky. Ensuite à Bisby j'ai acheté un petit haut comme ça. Donc voilà, donc il est un peu court mais ça va encore. Et du coup celui-là voilà, je l'ai acheté à Bisby. Je sais plus du tout combien je l'ai acheté. Je vous mettrai le prix sur l'écran si je m'en souviens. Mais entre 10 et 15€, et je crois qu'il était en solde. Ensuite on va passer à Jennifer. Donc premièrement j'ai acheté, donc là il y a les étiquettes parce que je les ai achetées hier. J'ai acheté cette jupe-ci. Donc voilà, il y a une fermeture, elle est en faux cuir. Et donc celle-ci elle était pas en solde, elle m'a coûté 15,99€. Je l'ai prise en XS, elle est un peu grande. Mais quand je rentre un gros pull ou quoi dedans, ça va. Mais sinon elle est juste un peu trop grande. Et voilà, elle est trop belle. J'ai acheté que des trucs en solde, enfin sauf la jupe. J'ai acheté un pull comme ça. Alors ce pull là je l'avais repéré depuis super longtemps. Et genre je le trouve trop beau. Le vert et tout il est trop beau. Donc celui-là, au lieu de 15,99€, je l'ai eu à 7,99€. Du coup, la grave bonne affaire. Il est trop beau avec la jupe, ça suit super bien. Et du coup, bref, c'est grave beau. Et voilà. Et ensuite, dernier article chez Jennifer. Là, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, c'est ce manteau-là. Je sais même pas si vous verrez. Je trouve que je suis un peu près de la caméra. Mais... En gros, voilà. Je vais vous montrer comme ça, donc c'est un manteau à capuche, moi je l'ai pris en blanc et attendez, écoutez, au lieu de 40€, je l'ai payé 8€. 8€ pour un manteau trop beau. Je vais m'expliquer, moi je l'ai pris en blanc, donc là c'est rayé noir, blanc, rouge, comme ça. Et après donc il y a un petit logo là. Et après voilà, genre il y a des élastiques comme ça et il y a des boutons et il y a une fermeture et là il y a des trucs comme ça. Et voilà, enfin, il est super beau. Je suis trop contente. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Jennifer. En ce moment, vraiment, je crois que genre c'est le dernier moment des soldes et il y a vraiment des trucs qui valent le coup. Et ensuite, dernier truc chez Jennifer, c'est une petite bricole. En gros, c'est genre un truc comme ça pour les oreilles. En gros genre c'est ça, c'est relié à la boucle d'oreille là. Et après au deuxième trou, si vous avez un deuxième trou à l'oreille, vous pouvez mettre celle-là. Ou voilà. Mais moi en fait ce qui me dérange c'est ça. Vous verrez de toute façon sur les close-up quand je le porte, je trouve ça pend trop. Du coup je pense genre je vais le couper. Et ok, et je vais mettre genre une boucle d'oreille sur chaque oreille. Et je sais pas, je trouve ça fera plus beau. Mais en tout cas, moi ce que je voulais c'était ça. Je sais pas si vous verrez les motifs. Mais enfin voilà. Et genre les boucles elles sont comme ça. Enfin les trucs pendants. Voilà. Trop mignon. Petit achat chez Bershka. C'est ce pull là que vous avez dû voir dans mes vidéos précédentes. Genre c'est un pull comme ça. Comment on appelle ça à l'école? Col montant. Comme je porte en moi et je trouve ça genre trop beau. Il est super doux la matière. Je sais pas genre je sais pas, il est super doux. En bas il est coupé comme ça. Et au niveau des manches c'est pareil. Il est un peu court. Enfin par rapport aux manches je dirais il est court. Mais ça va quoi. Et juste genre au niveau des épaules, genre je trouve ça genre trop bizarre. Les épaules comme je l'ai dit. Genre je sais pas, je vous montrerai sur les close-up, genre des fois ça fait un truc comme ça, genre bref c'est un peu bizarre. C'est un peu trop carré, voilà. Mais sinon j'adore ce pull. Ensuite ça va être des petits achats
vite fait. Donc à Falling Tiger, j'ai acheté un autre M. Voilà. Il me manque plus qu'un A pour faire Emma. Donc quand c'est gonflé, ça donne ça. Et j'ai pas trouvé de A, du coup j'ai pris que le M. Ça coûte 1€. Voilà. Je vous ai même pas dit le prix. Ce pull là, je l'ai payé 13€ sans solde. Et ensuite à Nocy B, j'ai acheté un kit. Donc c'est, je sais pas si vous savez, il y a quand même pas mal de temps, Luffy et Noémie ont sorti leur kit de rouge à lèvres en collaboration avec Nocy B. Et du coup j'ai acheté le kit de Luffy. Voilà, donc je l'ai eu à moins 50%, donc au lieu de 16,95€, je l'ai payé 8,47€ et ça vaut grave le coup. Voilà. Bon, je portais le rouge à lèvres sur moi, mais je crois que j'en ai plus. Mais c'est pas grave, je vais vous faire un petit swatch. Genre, la texture, genre, elle est trop bizarre. Il est pas... Ils disent qu'il est mat. Bon, je veux bien le croire. Mais il se voit pas fort, je trouve. En gros, genre, vous appuyez là pour faire sortir le produit. Et genre, l'embout, genre, il est trop bizarre. Genre... Vous savez, genre, il y a des rouges à lèvres comme ça de chez NYX. Et bon, bref. Sinon, la couleur, ça va, elle est jolie. Mais... Voilà, et le rouge à lèvres... Et le vernis, il est genre en couleur comme ça. Et du coup j'adore ce petit kit, voilà, c'est trop mignon. Et voilà, dernier achat, dernier gros achat, je pense que c'est le truc que je préfère vraiment dans ce haul, c'est ça. Alors je pense que vous devez connaître ces chaussures, genre tout le monde les a. Donc c'est des Nike Air Force One en blanche. J'adore, c'est trop beau. Donc moi j'ai pris genre la semelle basique, enfin je crois que c'est la semelle basique. Et voilà, genre c'est trop beau, j'adore. Elles sont, mes semelles, elles sont un peu montantes, comme ça. Et du coup ça me fait un peu plus grande, hein, parce que je suis pas très grande. Et je les ai achetées à Footlocker à 75€. Et voilà, j'aime trop. Moi je l'ai prise en 38,5, donc voilà, enfin, il y en a beaucoup, ils disent Nike, ça taille petit et tout. Je sais pas parce que c'est ma première paire de chez Nike, mais en tout cas celle-là, enfin j'ai pris ma taille quoi. D'habitude je fais 38-39, bah là j'ai fait 38,5 et ça me va nickel. Du coup bah voilà. Donc voilà tout le monde, vous avez terminé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne, ça vous fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, vos petites trouvailles pendant les soldes, ça peut nous faire partager des bons plans. Je sais que les soldes, quand j'ai posté cette vidéo, ça va être fini, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux, on est de plus en plus nombreux et ça fait grave plaisir. Et moi je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.